Salut à tous, ici Artakan, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est enfin le retour des vidéos sur cette chaîne YouTube. Cet été, je vais essayer de vous publier un maximum de vidéos, ce que je peux. Durant cette année 2023 et même en fin 2022, j'ai déjà tourné des vidéos. En fait, il reste juste à faire le montage de celle-ci. Bref, je vous propose la première vidéo de cet été, et c'est pas n'importe quelle vidéo. Petite précision aussi, la vidéo est en franco-polonais, c'est-à-dire qu'il y a des passages en français et en polonais. Donc, si vous n'êtes pas franco-polonais, je vous incite à mettre les sous-titres, histoire de comprendre qu'est-ce qu'on dit dans la vidéo. Bref, je vous souhaite un bon visionnage. Tchou! Ça, les boutons d'acné. Bonjour à tous, ici Artakan, j'espère que vous allez bien. Est-ce que je le dis ou pas? Enfin, de toute façon, c'est dans le titre de la vidéo. Ouais, 8e épisode du Artakan Strip, ouais. Pourquoi j'en rigole? Parce que, en vrai, je vais à Cracovie pour une bonne raison. Parce que c'est l'anniversaire de Sébastien. Ok. Mais putain, les négociations avec les darons. Ta gueule! Je pars demain matin. Voilà, tout à fait. Let's go. Donc là, du coup, le programme, c'est que soirée, tout simplement. J'ai installé la télé avec la Switch, bon ordi, comme ça on peut passer une bonne soirée. Je fais une soirée avec mes potes. Ensuite, il y a un pote à moi qui va du coup me ramener à l'aéroport Charles de Gaulle cette fois-ci. Ouais, pour une fois, on va pas à Lille ou je sais pas où. Non, là, on va à Charles de Gaulle tranquille, tout va bien. Et donc, du coup, après, bah, direction Cracovie, quoi. Allez. Et puis, voilà, nous, on se retrouve demain matin. Ciao. Mesdames et messieurs, j'y crois pas, hein. On est à l'aéroport. Ah, vous savez même pas dans quelle merde je m'embarque. Cracovie, 7h du mat, attends, c'est nickel. Embarquement D54. Et ben, on y court. Let's go. Pour un anniv, franchement, mesdames et messieurs, on va pas se mentir que he's okay. Même si c'est vrai qu'on peut se dire que c'est peut-être un peu trop. Mais quand même, les gars, je pars à KRK encore. Oh putain, oh ce bruit. Les deux secours. Je sais même pas cadrer. Bonjour. Depuis quand faire? 3 mois plus tard, j'en tout va bien, j'en viens en Pologne, dans le plus grand des câbles. Oh, le plus gros poisson d'avril de la planète Terre. Et 2 secondes. Putain, j'en pleure carrément, tellement c'est les émotions. Aïe 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 aïe. Alors, première étape, les chiottes. Et après, je retrouve les deux tourterons. Donc, du coup, j'ai intérêt un peu en retard. Normalement, c'est 9h10, j'arrive à 9h43, 30 minutes de retard. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà mieux que genre 3 heures de retard. J'essaie de savoir où ils sont. Ouais, allô. Adrien? Attends, non, je suis chauve. Ah, ok, donc. Il m'a dit de sortir dehors. Par contre, il défonce sa race. Putain, c'est quoi ce temps? Putain, hey, le cadrage, il est approximatif. Adrien? Ouais, bah écoute. Adrien, j'ai. Waouh, hey, je me les gagne.
C'est grave, vraiment. On essaie de savoir avec quelle voiture ils ont. Je vais peut-être trouver un endroit pour poser la caméra. Les gens jugent beaucoup plus qu'en France, alors bon, franchement... En vrai, ça me dérange pas tant que ça de faire le con en Pologne. Bon, plus tard, par contre, il est long, il me dit de Yajam, mais... De Yajam mon cul, hein. Enfin, attends, je vais passer incognito. Il va pas me voir. Attends, il m'a pas vu. Je l'ai repéré. Eh ouais, t'as la main avec ton couillon. Hej! No trochę spóźniony był samolot, niestety. No wiem, właśnie. Chociaż dobrze, że tylko pół godziny spóźniony jestem, bo nie to, jak tamtym razem 3 godziny byłem, kurwa, spóźniony. A widzisz, dacie znalazłem, pan. Ale zapiernicza. A kurde, zobaczę tam, co znaczy, jak będzie ten. Tam Krystian. A ba, ekute. Życie idzie. Degustuję. Takie. Co ty tutaj robisz w Polsce? Kurwa, nie wiem. Znaczy, nie wiem, dlaczego przyszedłem, kurwa. Nie wiem. Spędziłem sobie trochę pieniądze i przyszedłem chyba. Ty wiesz, co dzisiaj będzie wieczorem? No, nie wiem. Impreza. No wiem, że impreza, ale nie wiem, jakiej... ampleur. 15 osób około będzie. No, to spoko. You don't... Regardez. Hop, s'il bouffe par la caméra, coche les refs, tranquille, il suce ses becs. Le meilleur de tous les youtubeurs là, Artakalan, il mèche le cul tellement qu'il est nul. On l'adore parce qu'il est venu ici. Hop, comme je suis beau, sa mère. Et en même temps, j'ai du magasin, tranquille. Arrêtez-moi la qualité. Je vous montre un peu, genre ici là. Théma, vous avez des Toffifi, c'est la base. Ici en Pologne, c'est genre des petits trucs, vous avez des petites confiseries comme ça là. Après, on est à quoi encore? Ah, je vais vous montrer le truc le plus important en Pologne. Donc. Déjà, si vous venez, donc. Voilà, je vous conseille ce... Ouais, regardez ici les gars. Regardez ça. Hein? Ah, vous êtes jaloux là? Allez vite, faut redonner la caméra à Artakalan parce que sinon ils vont monter du magasin là parce que normalement je peux pas. Mais là je regarde, pop, si on est sous ces connards de merde là, hop, marche. Ouais, merci. C'est bon, t'as pas la présentation du magasin. T'inquiète, j'ai mon pâté du coup. Je reste un chat. Non, t'as quoi? Marche. De qui? Marche. Bon, ouais, t'as retrouvé. Ouais. Hey, mon ref. Je suis bien en Pologne là, non? Non. Yeah, c'est Abu Dhabi, mon ref. Ah ouais. Ouais, c'est ce que je me disais. Hein, c'est... Mesdames et messieurs, donc là j'ai laissé Sébastien et sa meuf à la porte parce que j'ai 2-3 trucs à régler. Comme premièrement, déjà je dois changer ma thune. Deuxièmement, récupérer mon appart parce que là il est 11h54. J'ai dit au frérot que non, je serai à 11h, mais évidemment je vais être là seulement à midi. Et ensuite, on va aller à Bonalka parce que Sébastien il voulait que je lui achète du coup des chats en plastique et je vais lui acheter un cadeau bien sûr. Et puis voilà quoi, tout simplement. Bref, donc là direction le cantor pour échanger la thune. Tu vois maintenant, vu qu'il est avec sa meuf, tu vois, je vais pas tout le temps les déranger. Putain, ça a changé. Si, j'ai l'impression qu'ils ont démoli tout ça. On va peut-être faire, je sais pas, des apportes en plus, je sais pas. Ou le coup de terre. Soyez indulgents, mesdames et messieurs, parce que c'est la première fois que du coup je ramène ma grosse caméra pour filmer. Voilà, donc il faut que je me prenne un billet plusieurs jours pour Cracovie. Comme ça, au moins, je serai tranquille. Ça fait bizarre quand même de se balader à Cracovie tout seul. Là, tu vois, j'étais tout le temps avec Sébastien, tout ça, et là, voilà, je suis solo, mon gars. Regarde, avant, ça coûte 50 zlotés pour les 3 jours. Je vais prendre quand même le billet pour les 3 jours, comme ça, au moins, je serai tranquille. Là, j'aurai tout samedi, tout dimanche et quasi tout lundi. Alors, on va sortir le seul billet de 50 zlotés que j'ai. 172. Mesdames et messieurs, ce billet vaut 12 euros. Voilà, let's go. Bon, bah, le train il vient de partir. Eh bien, mesdames et messieurs, nous voici dans l'appartement. Voilà. C'est pas si mal tout ça. Un petit appartement tranquille. Là, on a la petite douche. Et nickel, le papier toilette, tout ça. On a. Heureusement qu'en vrai, j'ai pris une serviette. Ça, moi, je peux me laver tranquille. Et. Ah non, et il nous a donné. Carré, nickel. Déjà, premier truc. Je vais enlever mes chaussures et on va se poser 2 secondes. J'ai un petit appart pour moi. Ça, c'est carré. Ah. On est bien, hein.
Dites-vous que c'est la première fois que je loue un appart. Justement, je voulais pas déranger en vrai Sébastien, tu vois, donc... Par contre, fun fact, mon appart est plus grand que le sien. Mesdames et messieurs, je suis sorti de l'appart. Direction Bonarka, le centre commercial. Donc là, je vais faire un aller-retour. Bonarka, je reviens ici. Ensuite, je vais chez Sébastien. Et ensuite, je reviendrai faire un petit sieste. Et après, je pense que je reviendrai vers 18h, 19h, si tout va bien. Voilà, voilà. Time I start to slip away. Retour à la casa, mesdames et messieurs. Alors, du coup, je me suis acheté une petite batterie externe que je vais déballer, je pense après, parce que là, pour l'instant, j'avais pas l'utilité. Et on a acheté FIFA 23. Bon, ça, je le mets du coup dans le sac. Parce qu'il m'avait dit aussi d'acheter des carottes. J'ai mis une bouteille de vodka aussi, des carottes, une pâte à pizza. Et voilà. Donc là, juste, je change la batterie de ma caméra et bah, en fait, je repars. Let's go. Dzień dobry. Dobry. Witam, zapraszam tutaj do mojego mieszkania. Dziękuję, dziękuję. A więc Kraków, nie patrz, tu żyję, to jest moja kuchnia, co nie? Ale. Trochę przepraszam za burdala, ale będę skotowany, no. Wiesz. Tutaj salonik. No. To mój telewizor. No, oczywiście. 4K, 24 cale. Moja konsola. No. Sprząt łazienki. No. No i tutaj rzekam po całym, na każdej imprezie. To jest ogólnie mówię, mój domek imprezowy. To jest moje łóżko imprezowe, na które po prostu ja wszystko pokażę jak na imprezie. Na kolanka i tak. Tutaj jest studio, w którym śpiewam. Wiesz, no amatorsko, rap, pop, K-pop nieraz. Muzyka klasyczna, wszystko tu jest grane. Co jeszcze mogę zrobić? Dobra, chodź pokażę. Tutaj jest miejsce dla, na przykład włożyć takich gościa jak Krystian. Tu parles de quoi là, bref? Juste, non? Comment ça, bref? Alors, moi à la base, je suis juste venu ramener les courses en fait. En fait, je pars de bien, je fais un petit. Daibiste, oh kurde. Tu sais que j'en ai acheté 5 des trucs comme ça. Daibiste. Toi, je sais que c'est bien, marche. Bon bah, nickel. Tu sais, je l'ai pété. Ah ouais? J'ai oublié de le payer. Tu les as achetés ou du coup? Ah, ils étaient cachés dans un coin, les shots, vraiment il fallait les trouver. Moi je mange et je me casse encore. Parce qu'après il faut que je me prépare pour la soirée parce que là après ouais, je suis tout sais. Dégueulasse. Attends, merci pour les pouces. Je t'en prie. On est là. Putain frère, j'ai plus de place. J'ai mis mon frigo aussi. Pour une fois ton frigo est plein, j'allais dire ça. Pas deuxième, ça va. Ouais, j'avoue. On va manger. Ah, il a fait la petite annonce. Eh ben quel accueil, j'ai envie de dire. Allez là, ah, il est fou. Il a encore démonté son truc. Attends, je cherche pour une lagote quand j'avais joué, je t'ai qui fake-over. Hey, il est fake-over. C'est fake-over. Ouais, c'est prawdziwy mikrofon. To, że mam głos potem do Bibera. Allez, clipage professionnel. Boże, dlaczego? 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 Co? W takim momencie! W takim momencie, dlaczego? Bref. Eh ben c'était la reprise de Dai Gazo par Sébastien. Bien joué. Let's go. Lendemain de soirée, bonjour. Il est 10h47. Donc en vrai, plutôt ok en vrai pour se lever un dimanche de lendemain de soirée. En fait, avec l'alcool, genre vraiment, tu peux pas dormir. Moi, mon objectif, c'était de refaire nuit blanche pour ensuite de mater le Grand Prix d'Australie. Heureusement que je l'ai pas fait parce que quand je me suis réveillé plus vers 9h quelque chose, ils avaient toujours pas fini. J'étais là en mode, mais wesh, aberrant quoi. J'ai pas de chargeur de téléphone. Et vraiment, il y a un temps de merde. Vraiment, c'est...
Il pleut fils de pute, hein. Bon, allez, je me prépare et on se casse. Messieurs, j'ai pas filmé grand chose de la journée, je vais pas vous mentir que on n'a pas fait énormément grand chose, on s'est un peu baladé, sauf que le problème c'est que 1, il fait froid et 2, il pleuvait, et franchement le temps était vraiment pas dingue quoi, et donc bon, je vous ai reproposé les mêmes plans que vous avez vu sûrement sur les derniers épisodes, mais voilà. Le programme pour demain c'est que je rejoins Sébastien demain matin 9h je crois, parce que du coup il a cours à 11h30 à la fac, du coup je vais l'accompagner, je vais découvrir du coup une fac polonaise, je vais voir quelle gueule ça a. Que moi pour l'instant je suis encore posé dans la porte, je suis posé sur une chaise alors que c'est vrai qu'il y a un canapé là. Mais voilà, j'ai mangé un petit hot dog de chez Jabka. Là en vrai je pense donc, hey, il est 20h14, mais en vrai là je vais aller dormir dans pas longtemps. Bref, bon, bah, du coup on se retrouve demain. Ciao. Bonjour à tous. Nous sommes lundi, il est 9h. J'ai tout mon bordel à ranger. Je rends l'appart et après je rejoins Sébastien chez lui. Voilà le plan. Allez, on se retrouve dès que je suis dehors. C'est bon, j'ai rendu l'appart. On est devant le sanctuaire. Wow, eh, j'ai vu le premier truc et j'ai câblé. Ouais. En plus ça commence avec la bonne lettre, si tu vois ce que je veux dire. Et salam oui. Alaikum khouya. Comment ça va? Ça va. Ça va, super. Dziękuję, do widzenia. J'ai eu mon stage. Le jour de mon anniv. Incroyable. La meuf elle m'appelle. Oh, là je vois ta gueule, j'étais là en mode wesh. Non, donc c'est. Oh putain. Il est sous le choc le frérot. Oh, je commence le 17 pour 3 mois, oh là là. Bah let's go hein. En vrai il paye pas beaucoup mais là, ouais, on mais... va les couilles. Ouais, parce que. Je suis à 3 autres, je me dis, yeah, c'est bon, hey, ouais. Je vais avoir mon stage, moi je veux, ouais, avoir... Moi, voilà. Je veux avoir le truc signé, c'est bon. Tu vois, comment son stage, voilà. Pour valider ton année, voilà, et c'est nickel. Voilà, parce que je suis. Oh là là là, oh putain. Il est sous le choc. Oh là là là. Je lui ai dit à la meuf, c'est mon naïf aujourd'hui, elle m'a dit. Ouais. J'ai du coup. Tomorrow.
Et voilà, mesdames et messieurs, c'était le 8e épisode du Art Attack Alain Strip. J'espère qu'il vous aura plu. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.